بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كيتسمى كوردوفان، هذيك البابيون ديالو، هذيك كتسمى لا مونشيت، هذيك درنا لي طونشيتي لافان، كدورها كتسد كتحل. زيد هنا هذا كيتسمى لو سيرفو موتور، سيرفو موتور هو هذا سامبليفي. هذا راكور ديال الكوموند، هذا راكور ديال لامورتيزمون ديال ليشابمون ديال لو سيرفو. هذا كيتسمى بوزيسيونور، هذا كيتسمى بوزيسيونور، ولكن ما بين البوزيسيونور وما بين لو سيرفو كاين هاد لا كونتر رياكسيون. هادي البوزيسيون ديال لافان، فين كتبوزيسيون لافان كابتور كحال كنقولو كابتور بوزيسيون. عندك ان ديتوندور بالنسبه للفونكسيون ديال لافان، كنجيبو على موتاسيون ديال كومبريمي. موتاسيون منين؟ من هنا كتجي من السيكتور، كتجي على موتاسيون ديال كومبريمي. هنا 7 بار عندك ديتوندور، ها الريكلاج ديالو خاف كيتريكل. هاتي باش هذا برويج، هاكا كتزير وكتنقص هكذا كيتبرويه. هذا بيرج ديالو كتشوف تخاولة شي حاجة. هذا مانوميتر. بالنسبة لليموتاسيون ديال السينيال، هذا ان جينيراتور كورون كنجيبو 20 ميلي امبير، جيبها من لوطوموت ولا جيبها من الريجيلاتور اللي عجبك. البروشاج ديالو راه باين هنا واضح، عندك البليس في البليس والموا في لي بارتي برينسيبال دي لاكتواتير سون لي ريسور et les pistons. Sans l'air, le piston est à droite. Ici, dans cette position du piston à droite, l'avant est fermé. Si le piston se mouve à gauche, l'avant est ouvert. À l'arrivée de l'alimentation pneumatique, l'air arrive jusqu'à ici. À l'arrivée de l'alimentation électrique, l'avant ouvre et l'air arrive jusqu'à ici et move le piston jusqu'à cette position. Et la vanne ouvre. Vient à manquer l'alimentation électrique. La vanne change la position et connecte ce tirage. L'air n'arrive pas plus à les pistons. L'air de cette ligne est vidé dans l'atmosphère. Le piston sans l'air va à droite et la vanne ferme. Principal d'une vanne d'arrêt d'urgence sont le corps et l'actuateur. La partie principale de l'actuateur sont les ressorts et les pistons. Dans cette position du piston, la vanne est fermée. Si le piston se mouve à gauche, la vanne est ouverte. Piston est maintenant dans cette position et la vanne est fermée. L'actuateur a le convertisseur électro-pneumatique, l'alimentation pneumatique, signal 4 ou 20 milliampères d'entrée, le signal pneumatique 0D ou 1 bar de sortie. L'actuateur a la vanne électrique, naturellement avec l'alimentation électrique. À l'arrivée de l'alimentation pneumatique, l'air arrive au
convertisseur électro-pneumatique. L'air arrive à la vanne pilote et l'air arrive à la vanne électrique. Quoi? À l'arrivée de l'alimentation pneumatique, l'air arrive au convertisseur électro-pneumatique, à la vanne pilote et à la vanne électrique. L'arrivée de l'alimentation électrique ouvre la vanne électrique et l'air arrive à la vanne pilote qui ouvre arrivée du signal électrique de, par exemple, 20 mA au convertisseur. Ce signal est converti au signal pneumatique de 1 bar qui actionne la vanne pilote qui ouvre et porte l'air au piston et le piston se move à gauche et la vanne ouvre. À noter la présence de bouchons visibles qui, en cas de feu, fond et les pistons restent sans l'air et les ressorts retournent les pistons à droite et la vanne d'arrêt d'urgence ferme. À l'arrivée du signal électrique de 4 mA au convertisseur, ce signal est converti au signal pneumatique de 0,2 bar qui ferme la vanne pilote. En autre mot, désactionne la vanne pilote. La vanne ici reste sans l'air, comme aussi les pistons qui se move à droite. Et la vanne d'arrêt d'urgence ferme. L'air sort du cylindre à travers le silencieux. Chaque vanne d'arrêt d'urgence a un indicateur de position de la vanne. Un peu d'explication encore. Nous avons une petite soupape de sécurité. Le régulateur de pression pneumatique d'alimentation avec le filtre. Nous voyons aussi la couleur bleue
de fil, ça veut dire protection intrinsèque. L'électrovent, la couleur noire du fil, la protection antideflagrante.